Bonjour tout le monde et moi souhaite nous bienvenue dans la vidéo tutoriel programmation langage C. Et n'a tout dit nous que pas oublier à like page sauf matin classe sur Facebook et puis suivre nous sur YouTube et j'aime vidéo yo pour nous toujours être actif dans publication yo. Jodi a vidéo sauf matin pote pour nous, c'est utilisation de scanf et puis get. C'est deux fonctions qui toujours dans même partie variable. Alors, je dis à nous pour parler de yo en long et en large. Utilisation de scanf et get. Nous avons dit dans déclaration variable, il y a deux types. Déclaration variable est statique, qui c'est ça nous fait dans la vidéo avant. L'on a parlé de déclaration variable. Déclaration variable est statique là. L'on nous déclare variable là, nous tout balayons valeur fixe. Ça veut dire au cours du programme. Nan. Pendant le programme n'a pas exécuté, valeur ça n'a pas qu'à changer. Deuxième bagage, nous avons une déclaration variable dynamique. Variable dynamique là, c'est que l'IPA gagne une valeur fixe. Nous seulement déclarer variable là, ça veut dire nous créer espace mémoire type de données. Et bien, espace mémoire ça, pour là, pour prendre n'importe valeur ou entrer là-dedans qui de type de données que espace mémoire te réservé. Nous avons format qui c'est syntaxe scanf là. Comment syntaxe là est? Nous dit scanf et double quote qui c'est double guillemets, c'est symbole type de données et puis si en personne et puis variable là. Nous avons exemple, nous déclarer une variable de type entier. Nous dit int a, nous dit scanf pourcentage 2 qui c'est symbole type des données entières et puis nous dit ampersand et puis a. Pour nous détailler ligne code ça pour vous, nous pourrons venir avec une petite description de chaque symbole ça nous saute à utiliser là. Nous gain pourcentage d a, nous déjà connaît ces symboles et type de données et entier lié. Symbole là qui ça le fait pour nous, li aller dans direction, dans adresse mémoire ça là il prend valeur, là il prend contenu qui dans espace mémoire ça pour nous. OK? Depuis nous ouais pourcentage d, ça veut dire nous ouais contenu si pourcentage d nous dit c'est un entier. Ça c'est symbole type de données. OK? Nous dit encore et en personne si qui est le a dans mathématiques logique et c'est adresse mémoire. OK, ça veut dire ça c'est direction, ça c'est côté et n'al créer espace dans mémoire. C'est à l'aide des signes ça nous joignent direction mémoire et puis lettre a nous dit c'est identité. C'est nom, c'est variable nous déclarer, c'est nom espace qui crée dans mémoire nous sommes déclaré. OK, nous dit de même gens pour get fait même bagarre là, c'est ligue comme syntaxe get et puis variable là. Nous avons exemple, nous déclarer une variable de type char et puis nous balions chaîne de caractères automatiquement nous bal ça nous cas tout imprimer mais dans cas si dans cas ça li statique dans cas dynamique là nous en app unique et utiliser get là comme ça n'a pas unique utiliser get là comme ça. Si par exemple nous pas déclarer valeur chaîne de caractères là, nous tapons un dit get et puis nous mettez valeur
nous mettez non variable là. C'est comme ça et get là il fonctionne automatiquement il tape ban nou, la bonne option côté pour nous entrer chaîne de caractères nous voulons entrer là. N'a continuer. Nous gagnons une petite note. Nous dit scan f avec get gain différence dans utilisation yo. Oui, yo gain différence dans utilisation yo. Pour qui ça? Parce que scanf utilisé pour tout type de données. Map m'vle et sauvegarder et yon antenne en variable, m'ka utiliser scanf, m'vle sauvegarder yon float, m'ka utiliser scanf, m'vle sauvegarder yon double, m'vle sauvegarder yon caractère, m'vle sauvegarder yon chaîne de caractère, m'ka utiliser scanf. Tandis que si map utiliser get, li la seulement pour yon chaîne de caractère, pour yon paragraphe. OK, get la pour seulement et yon chaîne de caractère ou bien yon paragraphe. C'est pas seulement get, li gen yon lot fonction encore qui rele put, put. Li gen même syntaxe avec get. Jan nou nou utiliser get la, c'est comme ça nou ka utiliser put tout, c'est même bagay. Yo fait même bagay. Deux fonctions qui fait même bagay que non yo différent. N'a continuer. Nous dit là à chaque explication nous fin bay, nous toujours bay yon exemple. Nous pral ouvrir compilateur nous pral ouvrir compilateur nous pour nous parler nous pour nous font exemple de tout ça nous saute à expliquer là yo. Premier ça m'a fait, m'a créé un projet. Tout le monde connaît Jean pour nous créer un projet new project et console application C project. Moi dit scanf et get, c'est comme ça m'a relé li dit OK. M créer un folder pour lui et puis moi tout save li dans folder. OK, m ka commencer programmer. Pas oublier, m dit nous m poko observer avec ça return 0, moi effacer li puisque m effacer return 0, m pas supposé gain int, moi supposé gain void. Nous commencer. Ta l'heure dans exemple nous te fait, nous te voit que nous te tout bas, variable la valeur li. Et bien là, nous pas bas variable la valeur li, n'ap seulement et déclarer variable la et puis nous li ba nos options pour nous bailler valeur. Par exemple, si me déclarer une variable entier. Ça sont variables de type entier. Automatiquement, moi mandé pour yo entrer en valeur, moi utiliser scanf. Moi dit qui type de données dans format nous te parler là, qui type de données lié, c'est un type de données entier et mais puisque c'est un type de données entier, m'a mettre pourcentage d. Moi dit virgule et puis moi dit direction mémoire qui c'est numéro virgule. Qu'on a la libam pour m'entrer et pour m'entrer et numéro A. OK, qu'on y a moi pour afficher résultat. Moi dit qu'on y a m'vle al chercher dans mémoire côté me sauvegarder valeur pour l'afficher qui valeur m'était entré. On dit mais puis c'est son entier, met contenu pourcentage d virgule. Dans qui côté le té dans espace mémoire qui relait numéro A. Ça c'est première étape là nous fin faire modification et puis deuxième étape là qui c'est compilation, nous compiler.
li pral ban nou renome et li pral ban nou renome nou di n ap rele l scanf et get. OK, l'ap compiler. Program nou ap compiler. Program nan fin compiler, li dim 0 error et 0 avertissement. Et pou program nan fè yon pause, mwen ap ajoute lin code ki rele getch la point virgule. Mwen ap puisque mwen fè modification, fò mwen recompiler program nan. Mwen recompiler program nan. Program nan compiler bien sans error. N'ap exécuter l, nou ka remarke premier sa mande m li dim entre yon valeur. Par exemple, mwen entre 10. Et puis il dit valeur ou saute entrée là c'est 10. Ça c'est comme ça ou ka utiliser une variable dynamique. Si me courir encore, pas oublier nous te déclarer de type int, nous te déclarer de type int, si me mettez hello la bam 0, li pa bam rien, li retourner nul pour moi. Parce que c'est un entier moi t'ai déclaré, moi pas t'ai déclaré un char. C'est un entier moi t'ai déclaré. L'a affiché ça ça mettait là dedans, l'a prend ça mettait là dedans. Pour que ça lui retourne 0. 0 signifie nul. 0 signifie nul. OK? Ça veut dire espace mémoire ça moi créé, il pas gain rien là dedans. C'est ça qui fait lui présenter 0 pour moi. Parce que ça qui fait lui pas prendre valeur moi entrée parce que espace mémoire formaté seulement pour le prendre type de données entier. Alors ça mettez là, mettez un char, mettez une chaîne de caractère. OK? Mettez une chaîne de caractère, li pa pran li. Donc à remarquer si sans pour autant si mettez 1000 la présenter, la pas afficher 1000 là pour moi. OK? Ça c'est type de données et entier. OK? On font petit programme tout coûte pour nous montrer comment nous allons utiliser tout type de données. Et moi dis m'a effacer ça ou du moins m'a mettre en commentaire. Nous te dit commentaire là c'est l'aime pas besoin yon code moi exclure dans programme là et moi modifier ça moi dis m'a déclarer et l'âge et char non char signati et OK nous était là nous dit et nous voilà nous dit point f nous dit point f nous dit puisque non, c'est un type de données et charlier, me dit m'a déclaré le pourcentage S. M'a déclaré le pourcentage C non parce que pourcentage C c'est pour un seul caractère, OK? Pourcentage C c'est pour un seul caractère. Me dit direction mémoire là et puis
Non. Nous dit point F. OK. Là, nous fin entrer, nous fin créer tout espace pour digiter variable, pour écrire variable et n'a compiler li. Li compiler très bien et puis n'a exécuter li. Automatiquement, li dit entrer non moi. Jean signati moi. Joseph, l'âge moins 90 ans. OK, moi entre yo. Quand y a là, moi fin entre yo, moi vle créer un résultat pour dire moi-même c'est Jean et tel bagay. Et mais qui ça me fait? Moi simplement afficher un message point F point F et point virgule moi dit et moi relé comment moi relé me dit pourcentage S moi relé Jean pourcentage S moi va expliquer nous pour qui ça m'a mettre tout ça moi gagné pourcentage D. Qu'on y a là, résultat ça on mettait là. Nous déjà connaissons ça, c'est une chaîne de caractères, ça c'est une autre chaîne de caractères, et puis ça c'est un entier. Ça c'est le résultat on mettait là. Eh bien, pour me compléter et texte map affiché là, on prend le bal format là. Moi dit premier pourcentage S là, on dit c'est non mounan. On sépare le par en virgule. On dit deuxième pourcentage là, pourcentage S là, on dit c'est signati moun. On dit troisième pourcentage D là, on dit c'est l'âge moun. OK? C'est l'âge moun. Eh bien, puisque me font modification, moi va compiler et puis moi courir. Yo dit entrer l'âge ou entrer non ou, on dit moi relé Adeline. Entre signature Benoît qui la joue 16 ans moi relé Adeline Benoît moi gagné 16 ans n'a complété string là dit moi gagné 16 années moi gagné 16 années point alors moi vle li ban yon nouveau ligne pour message la bien paraître moi bali yon slash n nan commencement ça veut dire li a bam yon nouveau ligne moi ka mete slash n nan devant et puis moi ka mete l ou bien moi mete l derrière n'importe côté mete là li a compatible nous fin compiler li nous ka et exécuter li nous dit entraînons ou Pierre entre signature Charles
Qui l'âge? 19 ans. Moi relé Pierre Charles, moi gagné 19 ans. On fait un petit jouet avec même programme ça. Gardez comment moi formaté, moi dit nous moi mettre pourcentage S qui représente non, ça dépend des positions moi bal moi bail et variable. Me dit pourcentage S, me dit c'est non. Deuxième pourcentage S, moi dit c'est signature et puis me dit pourcentage D, moi dit c'est l'âge là. Imaginez si me changer signature position, moi mettre l'avant. Ça veut dire puisque me mettre l'avant, c'est lui-même qui a bam compilé et exécuté en même temps, c'est signature qui apparaît avant. Li a dit moi relé signature moi et puis non moi et puis l'âge. Entre non ou par exemple, moi dit me relé et Girardo. Nous avons remarqué, il mettait signature avant qu'on y a, et puis il mettait nom, et puis il mettait l'âge là. Ça, c'est de toute façon, nous avons joué avec variable. Un point exemple, là, nous utilisons scanf, ok? Là, nous utilisons scanf. Dans la même place, nous avons utilisé variable qui est gets là. Nous avons utilisé variable qui est gets là. Pour qui ça? Parce que nous pas qu'à utiliser gets là pour l'âge là. Parce que gets là, c'est une chaîne de caractères. Les points, ok? Mais on utilise gets là pour chaîne de caractères. Ça, on dit gets. Get et non. Point virgule. Là encore, on dit get et siati. Point virgule. Ma courrier compilé en même temps. Entrez-nous où? Et signature l'ajout. Est-ce que nous get avec scanf yo fait même bagaille là? Nous ka remarqué scanf la prend ni chaîne de caractère, li prend ni entier. Get la li prend chaîne de caractère là. Nous clair. Moi dis nous l'autre façon nous ca déclarer yon variable encore par exemple et bon mettez ça en commentaire on va expliquer nous yon l'autre bagaille qui assez important parce que dans programmation tout autant le programmer ou fait ou écrit moins code, ok, ou écrit moins code li pi facile pour programme li pi facile pour programme nan vin pi et faille. Un par exemple moi gen l'âge moi gen et jou moi gen moi virgule moi gen année et puis ça me gen me fait moi dit entrer date ou fête. OK, moi dis là, moi entrer jour. Pour me faire plus rapide, on copier même code ça. Nous copier li, nous coller li. Nous dit entrer moi ou fête. Nous dit moi. Nous dit nous coller li encore entrer année
ou fait. Nous dit année. OK, nous ka remarquer nous nous déclarer trois variables de type entier. Ça veut dire nous vinn gen automatiquement nous gen trois lignes code de même type de données. Nous entrer valeur pour tous les trois, OK? Nous créer espace mémoire pour tous les trois. Et puis nous faire n'a faire ba yon impression un petit message. Un petit message. Et moins fait jou quitté qu'on y a là c'est avec entier n'a travail nous pas besoin pourcentage s encore nous dit n'a mettez pourcentage d jou quitté telle date nous dit pourcentage et D, nous avons séparé par un slash, nous dit pourcentage D, nous séparé par un slash, et puis nous mettez point final. Et bien là, nous dit, et jour, là nous dit, mois, et puis là nous dit, année. Automatique, moi a compilé et puis courir en même temps. Lisez entre date ou fait. Moi dit et moi fait et 26 et moi pas oublier moi te déclarer moi de type int. Alors m'a écrit non moi non m'a baille et m'a baille et position moi. Me dit cinquième mois. Me dit dans quelle année 1991. Me dit moins fait jour quitté 26 cinquième mois 1991. Pour que ça me fait exemple ça, c'est pour montrer nous que l'ENAP déclaré variable yo. Au lieu nous écrire tout code ça, gien un bagage qui très simple nous ka fait. Imaginez, regardez-moi déclarer trois variables de même type de données. M'a pas besoin de gaspiller tout espace ça parce que les programmes a compilé, li prend ligne par ligne. Vous comprenez? Li prend information ligne par ligne. Alors laisse ali vinn faire plus temps à compiler programme parce qu'il joine plus ligne code. Eh bien, puisque toutes variables ça de même type de données, gagne une façon moins qu'à réduire et déclaration. Li pas l'autre que comme ça. Moi dit int jour virgule mois virgule et puis année point virgule. Automatiquement moi fin fait ça, moi pas besoin déclarer l'autre int encore. Dans une seule ligne, moi déclarer tout type de tout variable moi veux déclarer des types de données ça. Seulement moi obligé séparer par virgule pour me dire c'est pas une seule variable lié là moi gain trois variables moi dit jour virgule mois virgule année puisque c'est trois variables moi déclarer me dit pas déclarer l'autre variable encore me dit mettre point virgule qui signifie que ligne code ça finit là si me compile et exécuter n'après programme n'a courir la bail même résultat entrée date au fait 14 janvier 1989. Mwen fèt jou kite 14 janvier 1989. Nou wè li bay menm rezultat. An gwo, sete sa nou te pote pou ou. Nou di, fòk nou pa bliye jèm page la sou YouTube. Al abone nou sou kanal la sou YouTube et j'aime page la sou Facebook publier vidéo yo ak zanmi nou ki bezwen apprendre programmer et puis n'ap continuer comme ça ensemble avec nous et moun ki t'a présenté ou vidéo ça c'était ingénieur Maxo. Ciao.